Un sandwich et une bouteille de minéral. Je suis dans la salle du monde. Voilà, monsieur. Viens-y, moi, monsieur. Je ne veux pas.
Calmos, ok? Calmos. Ok? Je vous invite ce soir chez moi. Anatole, votre voisin de table connaît très bien ma raison. Ok? Je ne peux pas, monsieur. Vous êtes mon professeur. Et mes parents vont me... Non, sois sans crainte. Anatole est très discret. Aïké, vous êtes très belle. Merci, monsieur. Mais vous êtes mon professeur. Oui, après. Hein? Je ne peux pas. Non, tenez. Je ne veux pas. Ah bon? C'est ce qu'on va voir. Aïké, réfléchissez bien. Sinon... Sinon quoi? En tout cas, ça c'est apprendre ou à laisser. Aucune fille ne m'a jamais résisté. Il vaut mieux pour toi de vite céder. Regardez comment Asiba et Sika sont arrivés. Sont-elles vraiment venues au monde? Ça, c'est une opération de charme au professeur. Comment des parents peuvent laisser des filles sortir de la maison ici à Les parents d'aujourd'hui, là, ils n'ont plus le temps. Ils courent après l'argent. Sont-ils pas les riches? En tout cas, elles vont trouver ce qu'elles cherchent. Parce qu'il y a certaines professions qui ne vont pas cacher des choses. Et salut la dépendition scolaire avec ses nombreuses conséquences sociales. C'est vrai que les professeurs ne sont pas faits de bois, mais ils sont des éducateurs. De plus, la morale et le respect de leur métier les oblige à résister à toute tentation. Surtout, ne jamais avoir de relations sexuelles avec leur élève. Quel mal y a-t-il qu'une fille accepte les amendes de son professeur? Elle en profite juste pour avoir de bonnes notes. Quoi le problème? C'est pas possible. C'est pour ça qu'elle vient au cours. Aïké, c'est vous qui animez la classe comme cela, n'est-ce pas? Mais monsieur... Bon, vous avez 4 heures. Pour bavardage inutile en classe. Qui monsieur? Qui monsieur? D'ailleurs, levez-vous. Levez-vous. Racine carrée de 81 moins 3 au carré égale combien? Racine... Hein? Égale 0. Vous avez 0. Car la réponse est lente. Mais monsieur... Taisez-vous, mademoiselle. Vous êtes nul. Comment vous êtes vous retrouvé en classe de 4e sans ce minimum? Hein? Un élève de la 6e vaut mieux que vous. Viol. Aïké, tu ne vas pas au cours aujourd'hui? Le professeur de maths ne vient pas. De 1, puissance à causant anti-relative. M et N appartenant à l'ensemble Z. Si M est supérieur à N, alors A exposant M sur A exposant N égale à A exposant N moins Z. Et la notation est celle-ci. A exposant moins N égale à 1 sur A exposant N. À mémoriser. D'accord? Oui, merci. Ma soeur Dodi.
Je vis une situation tellement pénible depuis la rentrée des classes. Je suis à bout. Je sais que je peux compter sur toi, car je ne sais à qui d'autre le dire. Mon professeur de maths me soumet sans répit à des attaques parce que j'ai refusé de sortir avec lui. Il n'a pas supporté que je lui résiste. À tous les coups, il doit m'insulter, me dénigrer. Dodi, je suis au supplice. Je vais abandonner tous les coups. Mon avenir est en danger à cause d'un éducateur qui ignore son rôle. Je ne peux pas accepter ses avances. Je ne sais plus à quel saint me vouer. Tu ne me vois tout de même pas en train de parler de ces choses avec papa, encore moins avec maman. J'en peux plus. La vie me dégoûte. Je t'embrasse, Aïnke. C'est pas fameux, hein? Ok, Yaro. Présente. C'est bon. Attends. Continuez comme ça. Sept réunions. Présent. 12. Peut mieux faire. Merci, monsieur. Aïka Pignon. Absence. Hein? Absence. C'est ce qu'on dit, ça. Incapable de résoudre cette petite équation. Je me demande comment elle a pu être encadrée à Catherine. Et avec tout cet art, mademoiselle se permet le luxe de manquer les coups. Elle a 0 sur 20. Venez nous retirer ça, mes frères. Et dites-lui qu'elle est déjà à son troisième 0. Godonou Albert. Présent, monsieur. 11. Merci. Et dites-moi, mes amis de la quatrième, la petite Aïnke ne vient plus au cours? Elle remarque. Depuis 2 semaines, je ne la vois plus au cours de biologie. C'est pareil chez moi. Monsieur Donglé, oui, Aïnke était-elle à tes cours? Non, mais pourquoi? Je viens de lui flanquer d'ailleurs son 3e 0. Je parle de Aïnke Vignon, hein. C'est bien, hein? 3e 0? Oui. Ça m'étonne. C'est quand même une fille qui travaille bien et pose des questions assez pertinentes au cours d'histoire de géographie. Mais ça dépend. Ça dépend, hein. Vous avez dit, Géo, elle n'est peut-être pas douée pour les mathématiques. Au prochain cours, je vais interpeller le premier responsable de sa classe. Ou peut-être qu'elle est un peu indisposée. Oui, c'est possible. C'est quand même bizarre. Révolté. Tu ne dois ni céder ni abandonner les cours. L'une ou l'autre attitude encourage le professeur à continuer sa sale besogne. Ma soeur, commence par en parler à tes parents. Je ne peux pas, Dodi. Mais écoute, si tu abandonnes les cours, ton avenir est compromis.
As-tu oublié nos rêves d'autrefois? Toi, le docteur en blouse blanche, et moi, l'avocat dans ma toge noire. Ayinke, tiens bon, car nous avons toute la vie devant nous. Je t'en prie, commence pas à en parler à tes parents. C'est la meilleure solution. Merci, Dodi. J'en tiendrai compte. Bonsoir, Nathan. Comment tu vas? Ça va bien. Bonsoir, Ayinke. Bonsoir, mademoiselle. Dodi, je te présente Anatole. C'est mon voisin de table. Dodi est mon ami et soeur. Ah, enchanté, Dodi. Mais Ayinke, tu ne viens plus au coup. Qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Tu sais, Anatole, j'ai été très grippée ces derniers temps. Tiens. J'ai tout compris, Ayinke. Je ne savais pas que notre professeur irait jusque-là. En as-tu parlé à tes parents? Courage, Ayinke. Courage. C'est une longue lutte. Bon. Au revoir, Dodi. Au revoir, Ayinke. Ayinke, tiens bon. C'est vraiment une longue lutte. Je t'en prie. Vous êtes là? Merci les enfants. Merci chez vous. Mes enfants, qu'est-ce que vous avez à être si triste? Mais d'habitude, depuis le salon, on entend déjà vos éclats de rire. Dodi, y a-t-il un problème? Et papa et maman? Ils se portent tous bien, tonton. Il n'y a rien, paix. Ayinke, ce n'est pas vrai. Il y a plus de 10 ans, vous êtes ensemble. Et c'est toujours la bonne humeur. Alors, dis-moi ce qui ne va pas. Tonton, c'est Ayinke qui a quelque chose à vous dire. Ayinke? Non, calme-toi, ma fille. Calme-toi. J'en parlerai avec ta mère. Et on verra ce qu'il faut faire. Calme-toi. Calmez-vous, cher monsieur. Calmez-vous. D'accord. Je m'en occupe immédiatement. Monsieur le directeur, c'est grave. Suffisamment grave. Et si vous ne faites rien, je montrerai à ce vil individu de quel bois je me chauffe. Oh, ce ne sera pas nécessaire, croyez-moi. N'est-ce pas? Oui, je vous appelle pour vous tenir au courant de mes démarches. D'accord. Monsieur Vignon, je vous remercie. Je vous en prie. De votre visite. Je vous en prie. Et surtout de votre compréhension. Je vous en prie. À bientôt, monsieur Vignon. À bientôt. Et merci encore. Monsieur Vignon, plus d'inquiétude. L'harcèlement sexuel en milieu scolaire est un délit. Et dans le cas d'espèce, cet enseignant risque d'être révoqué avec perte de tous ses droits. Merci, maître. Et d'ailleurs, c'est déjà un procès gagné à l'avance. Merci, maître. Au revoir, maître. Oui, au revoir. Monsieur Domblé. Oui. Oui, monsieur. Le père de l'élève Ayinke Vignon vient de quitter mon bureau. Il est venu se plaindre de vous. Se plaindre de moi? Et pourquoi? Vous ne vous reprochez donc rien à propos de cet élève? Vient-elle encore au cours? Non, depuis bientôt 2 semaines, on ne la voit plus au cours. Mais monsieur le directeur, ce n'est quand même pas moi qui amène les élèves au cours. Mais c'est à cause de vous qu'elle ne vient plus au cours. Vous passez tout votre temps à harceler mademoiselle Ayinke parce qu'elle a rejeté toutes vos avances. Non.
Monsieur le directeur, ce n'est pas ça. Ah bon? Monsieur, cette fille est une véritable fainéante. Ah bon? Ah. Elle ne veut faire aucun effort. Et ses parents cherchent un coupable. C'est tout. Ah. Monsieur Tremblay, vous souvenez-vous de l'élève saignant? C'est l'affectation de ses parents de Cotonou qui a interrompu le développement de l'histoire. En son temps, j'ai eu un long entretien avec vous, puisque vous veniez de commencer. Et c'était la jeunesse. Et maintenant, hein? Après 10 années d'expérience, vous êtes tout de même censé avoir acquis de la sagesse. Malheureusement, les faits sont contre vous. Le recoupement des témoignages des parents, des camarades de classe d'Aniquet, et même de certains de vos collègues, est sans appel. Vous avez laissé le cours pour faire la cour à l'élève Aniquet. Et son refus n'a fait que blesser votre orgueil de mal. Qu'est donc devenu l'éducateur en qui le collège a placé sa confiance, son espoir? Monsieur le directeur, c'est que... Monsieur Tremblay. Mais c'est nous les éducateurs qui devons garantir la sécurité et la tranquillité aux élèves. Et surtout, soutenir l'effort des filles. Car ce faisant, nous contribuerons à réduire la pauvreté et l'analphabétisme des femmes. Cette fois-ci, vous êtes allé trop loin, monsieur Tremblay. Je ne peux donc gérer seul la situation. Par conséquent, vous passerez devant le conseil de discipline. Mademoiselle Aniquet y assistera pour la confrontation. Vous pouvez disposer. Allez, 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 du balai. Ouste, voyons. Ça, par exemple. Alors, ma fille, nous irons jusqu'au bout, hein. Nous allons traduire en justice ton indélicat professeur de mathématiques pour la sécurité et la tranquillité de nos filles. Merci.